Soit tu rajoutes et tu maîtrises tout.
rester devant la caméra, Léon. Thank you.
83 06 54 14. Voilà, je vous laisse encore. Je le connais pas. Ton père le connaît, bien sûr.
Il est noir, noir, noir. Noir, tout noir, un peu blanc. Ah, noir, noir. Alors complètement noir. On n'est pas dans le caca. Mais t'as tout à fait droit d'épouser un nègre. Hein? Comment ça, j'ai dit nègre? J'ai dit nègre. Ça m'étonnerait que j'ai dit un truc comme ça, moi. J'ai dit nègre. Ben, j'ai dû faire un lapsus. Si, si, j'en parlais encore à midi avec ton père. Je lui disais, chérie, il y a beaucoup trop de blancs dans la famille. Des blancs, toujours des blancs. Moi, je ne peux plus les encadrer. Je le dis tous les jours. Vive les noirs. Dis-moi un peu, mais les parents de cette âme de couleur, ils sont noirs? Eux aussi? Mais ils le savent que leur fils épouse une blanche. Ils sont plutôt contents? Tu penses? Oh, détrompe-toi. Détrompe-toi, Patricia. Je cache ma joie. D'ailleurs, si tu veux bien, j'aimerais répéter l'événement avec ton père. Tu vas être content, papa. Pardon, là, la date des noces. On n'en est peut-être pas encore là, quand même. Si vous aviez arrêté une date. Ah, ben, si tu es rendu, bien sûr. Et alors, quand est-ce prévu pour demain? Et comment tu penses faire avec ton père? On est invités, nous. Ah, youpi! Et tous ces noirs, d'un coup d'un seul, comme pour un mariage, ça m'aperçoit de passer un petit peu d'œil. Et ça va être quoi, du coup, ton nouveau nom? Très bien. Donc à ton père, hein, tu sois très clair dans sa tête. Je lui dis que demain, tu épouses un noir qui s'appelle Félix Le Champ. Tu peux me rappeler où est ma cuisine, s'il te plaît? À perdu ses signes. Oh, à retrouver ses signes avec mes yeux. Thank you.
article pour Poivre d'Arvor pour ce journal de 20 heures. Polynésitica. Politique. Après de longues négociations, la gauche et la droite ont décidé de... forcer un débat. Tout de suite, notre envoyé spécial a... Ça veut rien dire, ça. Ça arrive.